Chiant, je fais trop chauffer. Tu feras gaffe parce que c'est chaud. Je les ai oubliés. Ah oui. La chance que le verre il a pas pété hein. Avec la chaleur. Là, je vais être obligé d'attendre que ça soit chaud. Non, c'est pas des. Oh, ça se voit que c'est des verres à moutarde, mais ils tiennent bien. Bah oui, ça tient bien ces petits ces verres-là. Ouais. Mais si, regarde! Après, il y a un truc. Hein. C'est la crème ou c'est. Mais oui, c'est la crème, c'est le lait qui fait Elle est ça. plus claire la tienne. Ça a moins mis. Non. C'est pas T'as moins mis de braise. Elle est plus claire. Non, c'est pareil! Bah, c'est marrant, elle est plus claire. Et ta soeur, elle est plus Plus claire. foncé, mais... J'en sais rien. Peut-être pas. Il y a moins, peut-être moins de lait d'un côté que de l'autre. On va tout gamme. Bonsoir à toutes et à toutes. Nouvelle petite vidéo, comme d'habitude. Ah, c'est chaud. Comme un con, j'ai laissé trop chauffer la belaise avec le lait. Je vous ai déjà expliqué, hein, la belaise, j'aime bien. Par contre, je change de lumière parce que moi je vois rien et ça me saoule. Voilà, comme ça je vous vois mieux. Après, ça fait nuit-jour avec le téléphone. Le téléphone, il joue le yo-yo. C'est vrai, celui-là il est costaud. Waouh! Ouais, il est costaud. Pourtant, j'ai coupé du lait là, mais il est costaud. Donc, petit, comme je disais, une petite nouvelle vidéo, un petit vlog Zazou. Voilà, voilà, je vais appeler petit vlog Zazou. On va faire des. Là, je vais ranger mes CD. Je vais ranger mes CD. Là, ça y est, on a défait le sapin cet après-midi, en fin d'après-midi. Ah oui, il y a plus rien. Ça y est, il y a plus rien. Le sapin, j'ai écrasé les. D'ailleurs, Cécile elle a voulu m'assassiner. Oui, bien sûr. Vous avez vu? Regarde, il y a la preuve. Hein, ça a failli couper mes veines et tout ça. Donc, je vais me plaindre au syndicat des sapins. Parce qu'elle a voulu m'assassiner avec le sapin. Je l'ai fouetté avec le sapin. Elle m'a fouetté. Mais il leur demandait, hein, il aimait ça. Et en cassant les branches. Moi aussi, hein. Regarde là. Cécile, elle a Oui, reçu là, vous me un. tuez. J'ai oublié de vous le dire. Chacun son Il tour. recommence. Chacun son Oh, tour. mais dis donc. Mais oui, c'est. Bah oui, c'est maintenant que tu t'en aperçois. T'as voulu Ouais. T'as m'assassiner. vu comment je suis sauvage? Assassin, va. Je me fouette. Oui, là, j'ai oublié de remarquer. Est-ce qu'il y a des Sauvage. marques ou pas, là? C'est quoi ça? Hein, une chaîne pour l'attacher en cas si. Ils ne montrent pas en vidéo, ils vont prendre des sabots maintenant. Regardez, pour l'attacher le soir dans le lit, je l'attache comme ça là. Je mets un cadenas là, je mets un cadenas là, comme ça, et je l'attache au-dessus du lit. Et après, je peux faire tout ce que je veux. Et si elle n'est pas contente, je suis là! Ben voilà, comme ça ils vont encore dire des choses. Non, ça c'est une chaîne que mon beau-fils, qui à l'époque il avait une mobylette. Et bah, quand il est parti, il l'a complètement Ouais, oublié. mais là il faudrait qu'ils la reprennent parce que Non, moi je la garde. ben, si je prends un scooter et. Je la garde parce que c'est l'un qui me fait chier, je lui fais un coup de chaîne dans la tronche. Et ça fait mal. Un coup de chaîne Prends un comme ça dans scooter. la tronche, ça Voilà, fait ben, il hyper était mal. plein ça quand il avait tourné l'autre. Bah, il était content de l'avoir, hein, déjà. Donc, comme du fait qu'il l'a laissé à la maison, bah, moi je l'ai récupéré. D'ailleurs, même je crois que je vais même la laisser là en bas. Je vais la laisser là, je vais pas la descendre en bas. Comme ça fera. Ça fera une arme. Ça fera une arme. Ouais, comme je sais, je fais une petite vidéo Zazou. Hein. Zizou, Zizou, Zazou.
Donc à la vôtre, notre petit apéro du week-end. Donc on n'en prend pas tous les week-ends, attention, hein, ni la semaine, ni le week-end. Hein. Là, depuis, je l'ai acheté à Noël. Bah, depuis Noël, on n'a pas retouché. Et c'est Cécile, pas à la maison. Oui, toi, t'as pris. Moi, je n'ai pas pris, j'étais me coucher. Ils sont saoulés la gueule toutes les deux pendant que moi, je dormais. Et du coup, bah, comme je vous dis, hein, depuis... bon, pas le jour de l'an, parce qu'on... Vas-y, on est bête, et le jour d'an, on était là, t'es bête. T'es bête, Guigui, t'es bête. Et bah, depuis le jour de l'an, on n'a pas touché à la bouteille, elle est encore là. Donc, comme là, moi, j'avais envie de boire quelque chose, et c'était, bah, dit, bah, tiens, on fait. Oui, je voulais boire une bière. Et elle m'a dit, bah, il y a de la Belay, si tu veux. Et du coup, j'ai changé d'avis, bah, j'ai rangé ma bière et j'ai fait la Belaise. Voilà, je raconte mon live de Belaise. Donc en même temps, je fais mon tri de mes cassettes. C'est après mes cassettes, ils vont aller... non, pas mes cassettes. Mes CD, ils vont aller en bas, à la cave. Pour l'instant, je vais les laisser dans les sacs et dans le truc. J'espère qu'ils vont pas moisir, parce que je sais que les CD dans une cave un peu humide, ça a tendance à moisir. Donc, puis je peux pas tout laisser là, parce qu'après, c'est le bordel, et voilà. Et après, j'essaie de trouver une boîte assez grande, comme ça, je mets tous mes CD dedans. Comme ça, au moins, voilà, ils seront pas abîmés. Donc en même temps, je fouille à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas des louis d'or ou des bifetons. Et en même temps, je vais vous les présenter. Quoi ? Il n'y a pas ta casquette. Elle est où ma casquette ? Elle est dans l'autre marche. Oh, mais t'es sérieuse là, meuf ? Dépêche-toi, il est 6 heures. Il me la faut pour demain matin. Donc ça, c'est à moi. C'est Elvis. C'est tous les années de Elvis Presley. C'est le Gold. Greatest Hits. C'est que les meilleures chansons d'Elvis Presley. Ça, c'est la musique Sérénité du loup. T'as tous les chants de loup. Moi, j'adore. Comme ça, en même temps, vous voyez à peu près le genre de musique que j'écoute. Hein, parce que ça, voilà. Comme ça fera une petite vidéo en plus, voilà. Comme je vous dis, hein, comme je viens de vous dire, hein, ça fera une petite vidéo Zazou. Donc moi, je suis très, très, très musique comme ça, de loup, de loulou, de Lily, de loulou. Vous voyez, hein, ça fait des années que je les ai. Il n'y a aucune rature. Ils sont nickel chrome. Ainsi que les boîtiers. Les boîtiers sont pas cassés. Ils sont comme si que je les ai achetés. Vous voyez, quand je vous dis que je suis quelqu'un qui prend très très soin de ses affaires. Bon, ça arrive, des fois ça casse, ça peut arriver. Hein. Je suis pas le saint non plus. Hein. Mais c'est pour vous faire comprendre que voilà, je suis quelqu'un qui prend très très soin de ses affaires. Donc la musique country aussi, dancing, c'est la musique dancing de country, ça c'est pareil, ça j'adore ce genre de musique, hein, comme vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est la culture western et la culture amérindienne. Donc voilà. Mais là pour un bon petit moment. Hein. Donc la musique country. Alors ma musique indienne, c'est pareil. J'adore. Dancing Spirit.
J'adore ma petite musique. En plus, c'est de la flûte. Et comme je sais, je crois que c'est Diablette qui aime bien, qui aime bien la flûte. N'importe quelle flûte, je pense. Même le pipeau. Donc voilà, une belle musique indienne. Ça, c'est pareil. Ça fait des années, des années, des années que je les ai, ces CD-là. Itnis volume. Et ça, c'est des musiques que je faisais à l'époque que je gravais. C'est maintenant, on n'a plus le droit, bien sûr. Mais avant qu'on avait le droit, je gravais mes propres films. Et j'ai gravé mes musiques. Après, hein, qui c'est qui n'a pas fait ça, hein? Beaucoup, beaucoup l'ont fait. Bon, il y en a peut-être encore qui le font encore, mais je sais que moi, je fais plus, j'ai arrêté. Donc ça, c'est le Hit List volume E2 2011. Vous voyez, hein, ça ne date pas de maintenant. De 2011. D'ailleurs, il faudra que je réécoute pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que je ne m'en rappelle plus du tout. Donc là, c'est encore un autre CD. Sacré Spirit Room. Voilà, je regarde parce que je sais, j'ai des boîtiers qui sont seuls. Qui sont seuls au monde. Hop, en même temps, je regarde. En même temps, je regarde. Je regarde, je regarde. Alors. Et souvent, je planquais des petits billets comme ça là-dedans. Donc, je regarde. Avant de les mettre en bas à la cave, je regarde si au pire, un que j'aurais pu oublier. On sait jamais, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Non, là, il n'y en a pas. De toute façon, hein. S'il y aura un billet, je le sortirai. Mais il n'y a pas. Donc là, c'est de la flûte de Pan. Que j'adore aussi. La flûte de Pan, j'adore. Ça s'appelle Manantial. Voilà, c'est des comme ça, Manantial. Très belle musique. Très, très belle. De la musique celtique, comme je vous ai dit, hein, que j'aimais bien tout ce qui est viking, celtique, tout ce qui tourne un peu à la musique celte, avec la magie noire, magie blanche, des trucs comme ça. Donc voilà, là c'est Évasion Celtique. Voilà, très très bien. Cette musique-là. Et celle-là, je l'avais achetée au magasin Musique du Monde. Donc voilà, avec les golems. Donc pareil, une très très belle musique. Ensuite, encore une belle musique de Nadia Indien. C'est New York Artist Native American Dream. Pareil, une très très belle musique que je kiffe énormément. Voilà, que je kiffe énormément. Mais les musiques indiennes, hein, j'en ai beaucoup, hein, j'en ai plein. Donc, indien avec indien. Indien avec les loups. Western. En même temps, je les trie. Donc ça, c'est Tania. C'est moi, j'ai tendance des fois, j'avais tendance des fois à mettre 2-3 CD dedans. Parce que trop la flemme de. Là, une belle musique indienne. Trop la flemme de chercher le boîtier. Donc je prenais n'importe quel boîtier, je mettais dedans. Donc là j'en ai deux. J'ai deux CD.
Donc, indien. Donc, encore une autre musique de la marque Dan Dunson, Solitude. C'est sur le bruitage de la pluie et des orages, des éclairs et tout ça. Ça, c'est pareil, c'est ça, j'adore. C'est pour ça, quand je peux en trouver sur YouTube, des musiques comme ça, bah, je le mets le soir et ça m'endort. C'est une très très belle musique, c'est pareil, ça fait des années que je les ai, que je l'ai aussi celui-là. Donc pareil, on va regarder. Non, on n'a pas. Donc ça, en même temps, ça me permet de faire le tri. Encore de la musique indienne. Voilà. Vous voyez, hein, c'est pas, je vous mens pas, hein, c'est quelqu'un qui est un grand fan d'indien. Alors ça n'a pas une tête d'indienne, hein, franchement, je me la coupe, hein. Franchement, elle a vraiment une tête d'indienne. Voilà, indien avec indien. Encore musique celtique, un peu style viking. De l'année 2000, volume 3, c'est Romantic Collection. Donc ça, c'est vraiment style, comme je vous dis, un gladiateur viking. Voilà, ce genre de musique. Vous voyez, quand je vous dis que moi, j'adore les musiques de vikings aussi. Avec leur voix, leur grosse voix, là, quand ils chantent, j'adore ça. Voilà, le design, celui-là, le design de la photo, elle est géniale, j'adore. Même le CD, comme il est beau, il est génial, moi je kiffe. Pareil, il n'y a pas une rature, rien du tout. Un petit peu poussiéreux, mais voilà, tant plus. Là, c'est vraiment style. C'est vraiment style gladiateur, viking. Moi j'adore ce style là. C'est pas ma grande passion, mais j'adore. Voilà, je pourrais dire, voilà, c'est ma deuxième passion après les indiens, je pourrais dire ça. Donc Celtic, Gwen Spirit, Aigle Spirit. Donc c'est pareil, celui-là c'est pareil, ça fait des années que je les ai. Donc tous ces CD là, c'est des CD que je les ai achetés à Créteil Soleil, avant qu'ils refassent tous les travaux, quoi, qui remettent des nouvelles enseignes et tout. Et c'est au magasin Musique du Monde. Je les ai achetés là, tout le temps là-bas. Chaque mois, tous les mois, j'en achetais un ou deux. Bon, je les payais pas cher, hein. J'en payais quoi, un 8 euros, l'autre à 10 euros, l'autre à 9 euros. Je prenais vraiment les prix vraiment pas cher. Et j'en ai trouvé aussi à la brocante, bien sûr. J'en ai trouvé à la brocante. Non, il n'y en a pas. Allez, celui-là. Vous voyez, hein, j'ai plus de musique indienne que de musique normale.
Ça, c'est pareil, celui-là, je l'ai acheté pareil à la musique du monde. Non, à la maison du monde. La maison du monde où ils vont tout, quoi. Et c'est une musique tahitien. Ça s'appelle Fenua. Hymne de Tahiti. Franchement, génial. Génial, 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 génial. C'est vraiment d'une très très belle musique tahitienne. J'ai dû au moins l'écouter chez moi au moins 10 000 fois. Elle est trop trop jolie cette musique. Et ça détend. Franchement, c'est le genre de musique qui détend vraiment très très bien. Donc ça c'est musique, on va le mettre avec ça. Encore de musique indienne. Donc là c'est carrément un petit bouquin. Là, mais des fois je regarde entre les feuilles, si peu que peut avoir un petit billet. On sait jamais, on sait jamais. On sait jamais, les petits billets. Donc là, c'est Native Wisdom. Pareil, Maison du Monde. Très belle musique indienne. Donc ça, c'est Tony Bordet. Tony Bordet, c'est pareil, lui, c'est une bonne musique aussi. Et de retour. Bonne musique nature. Là, une très belle musique. Juste une nuit avec toi et de retour. Franchement, très très jolie. Ah non, même pas, je suis bête. Je l'ai rencontré en vrai, cet artiste. Parce qu'il venait manger au restaurant portugais de chez ma belle-fille, là où j'ai travaillé d'ailleurs. Et c'est un ami à mon beau-frère, à mon gendre, je veux dire. Et il venait souvent manger, et c'est un très très bon copain à mon gendre. Et c'est lui qui m'a donné son CD et franchement j'ai bien aimé. Voilà, ça m'en revient. Donc c'est lui. Un très très grand artiste. Bien sûr, vous le reconnaissez, le best-of de Claude François. Ses plus grands succès. Avec bien sûr le petit bouquin avec sa femme, ses enfants, les années yéyé. Hop. Par contre la date, je sais pas trop la date, je m'en rappelle plus. Voilà. Donc. Musique toujours dans la musique indienne. Là, le CD il est très joli, j'aime bien. Le design il est très joli. Même le design de la photo elle est très très belle. J'aime beaucoup. Donc on va regarder si il y a un petit billet. Non, il n'y a pas de billet. Regardez le design, il est très joli. Bah, je kiffe là, leur culture, même leur habit, la façon qu'ils se maquillent et tout. Ah, franchement, je craque. Si je pourrais vraiment habiter là-bas, dans une réserve indienne, je serais un homme hyper heureux. J'apprendrai leur culture et tout, franchement, ce serait bien.
Hop, ça c'est Ice of the Base. J'adore leur musique. Donc c'est pareil, c'est un deuxième. C'est des frères et sœurs. Voilà, c'est eux. Ice of the Base. C'est des frères et sœurs. C'est un deuxième groupe à bas. Voilà, ils ont des superbes mais superbes chansons. Avec un petit livret, bien sûr. Hop. Super chanson de Ice of the Base. Donc, je pense que dans les anciens qui sont comme moi, ils doivent sûrement les connaître. À part les jeunes, quoi. Qui ne les connaissent pas. Ou qui les connaissent grâce aux parents. Il y a eu une époque. J'adorais écouter de l'accordéon. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est pour les vieux. Non, il n'y a pas que pour les vieux, hein, l'accordéon. C'est pour tout âge. Tout âge, du plus grand jusqu'au plus petit, ou du plus petit jusqu'au plus grand. Et c'est vrai, il y a une époque, j'adorais écouter de l'accordéon. Et j'ai un de mes cousins qui est professionnel artiste d'accordéon, d'accordéoniste. Il a joué dans des trucs spéciaux, soirées, accordéon et tout ça. Et il a gagné pas mal de coupes et de médailles. Et franchement, très bien. Et moi aussi, j'ai appris l'accordéon. On a appris grosso modo, mais moi j'ai arrêté. Ça m'a saoulé direct. J'aime bien l'écouter, mais y jouer, non, ça, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté. Même mon accordéon, je crois mes parents ils l'ont donné ou l'ont revendu, je sais plus quoi. Et j'avais un vrai accordéon et tout. Mais ça m'intéressait pas. C'était pas mon délire. Bonnie Taylor. Accordéoniste. Voilà. Encore un CD d'accordéon. Encore une musique un peu style un peu celtique et ouais, je dirais plus ça, celtique, c'est Enya. Je pense que tout le monde doit la connaître, la chanteuse Enya, qui fait des super belles musiques aussi, spirit, comment vous dire, je sais pas comment vous dire, parce que son premier album c'est celui-là son premier album. Après il y a eu les albums fur et à mesure à la suite. Et c'est pareil, j'adore cet artiste. Très belle musique. Très beau feeling. Je dors, je kiffe quoi. Je kiffe. Hop. Alors ça c'est une musique de film avec Marc Dacascos. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, le film. C'est le pacte des loups avec Marc Dacascos. Un super, super, super film. Et la musique, franchement, elle est très géniale dedans. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. C'est que déjà, quand
quand j'avais vu, vous voyez, des fois ça arrive que le boîtier, tu vois, malheureusement, il se casse. Même Cécile, elle avait regardé avec moi, elle a kiffé. Puis bon, elle avait son acteur qu'elle aime bien, Marc Dacascos. C'est surtout pour ça qu'elle a bien aimé le film. Trop beau. C'est pour ça qu'elle a bien aimé le film, sinon je crois que elle aurait peut-être pas regardé. Ah non, mais le Pâques des Loups, j'avais bien aimé. Ouais, franchement, c'est un très très... Même s'il y avait mon acteur... Si vous l'avez jamais vu, franchement, regardez-le en streaming. Ou si vous, si vous êtes abonné à des CD, je sais pas quoi, ces trucs de films, là, CD de films, là. Franchement, regardez-le. Ou demandez à quelqu'un qui vous le copie. Et franchement, c'est un super, super film. Comme je vous ai dit, hein, je suis un fada aussi de Walt Disney. Donc la belle musique de Pocahontas. Et comme c'est style amérindien, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ça fait partie d'Indien. Voilà, ça reste avec des Indiens. Aide le spirit. Ah, il est là. Vous voyez, hein, j'avais perdu quand je vous ai dit. Des fois, j'avais pas le courage de ranger les CD dans leur boîtier. Donc, il y a le CD et il y a le boîtier. Donc, voilà, comme ça, il est rangé. En même temps, je regarde s'il y a pas un petit bifton. Voilà, encore indien. Donc, un très très bon groupe aussi de mon époque. Je sais même pas si. Si on l'entend, c'est pas un retoutou. Si on l'entend encore, c'est Enigma. Pareil, une très 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 belle musique. J'adore ce groupe-là. Je le kiffe. Donc pareil, hein, pour ceux qui sont anciens, si vous connaissez Enigma, c'est super génial. J'adore ce genre de musique. Enigma, je recommence. Hein? Je sais pas s'il chante encore Enigma. Enigma. Enigma, c'est style un peu musique, un peu. C'est comme. Enya. Enya, et puis comment elle s'appelle Ah, mais comment on peut appeler genre, ce genre de musique-là Enya, elle est Hera. C'est de la musique. Un peu genre que. C'est pas celtique. Hera, c'est plus. Non, c'est pas celtique, Hera. C'est les chants lyriques. Oui, le chant, les chants c'est lyriques. Ça, enfin, non, mais Enigma, c'est pas, c'est plus démon, Satan, des conneries oui, comme c'est ça. Des chants aussi comme ça. Voilà. Donc ça, voilà, c'est, Enigma, c'est plus des chants style la un peu. Qu'elle avait fait, j'aimais bien moi, c'est la première. La première qu'elle a fait. Donc. Ouais, c'est style un peu, voilà, de les musiques de diable, démon, surnaturel, voilà, ce genre de musique comme ça que j'aime bien. T'as pas les boîtiers, ceux-là? Bah justement, je le cherche. C'est à qui ça? Moi, c'est à toi ça? C'est à toi, tu l'avais voulu à Noël. Ah oui. Et je sais plus qui c'est que tu l'avais offert. Ouais, je crois. Je vous offrais peut-être. C'est pas toi? Non, je crois que c'était les enfants. Donc ça, c'est Yannick Noah. C'est Yannick. No, yo. Oui, tu voulais parce que je sais plus ce qu'il y avait comme chanson dessus. Oui, il y avait plein de chansons que j'aimais bien. Il y avait plein de chansons que j'aimais bien. Donc ça, voilà, c'est un cadeau de soit de mon beau-fils ou ma belle-fille, à Noël. Laura, à Noël. Mais il y a très très longtemps, hein, au début, ils étaient là. Donc je vous laisse ce CD-là parce qu'il y avait plein de musique de Yannick Noah que j'adorais. Donc je l'ai eu en cadeau. Bah encore Enigma, le premier, je sais pas si c'est le premier volume celui-là. Donc bah, déjà vous voyez, hein, déjà derrière, hein, vous voyez c'est vraiment des musiques un peu sataniques. Et moi j'adore.
Moi, j'adore ce genre de musique aussi. J'aime bien. Je suis assez spécial comme musique, hein. Vous allez me dire, ouais, j'ai des goûts bizarres. Non, voilà, chacun aime ses propres musiques. Moi, c'est ça, voilà. Moi, c'est tout ce qui touche le Oui, diable, les vikings, j'aime bien. j'ai là-dessus. Ouais, de toute façon, tous ces emblèmes-là, c'est les emblèmes du diable. One, two. Bah non, faut Non, pas c'est confondre. Angela. Bah Lui, il oui, a fait Angela. Angela, mais en version française. Uniquement. Par contre, ça, c'est à toi, ça. Ouais, ça c'est sûr, ça. D'ailleurs, sinon les autres CD. Ils sont dans les sacs! Dans le truc, ils ont. Dans les deux sacs, c'est plus Ah oui, tu ça. les as enlevés du meuble. Ben oui! Dans les deux sacs, il y en a un peu à moi, mais il y en a beaucoup Tu à sais qu'on toi. peut les écouter sur la. Sur la quoi? Sur le PC et sur. Sur le PC? Oui, la tour. Tu le mets dedans. Ton CD. Ah oui! Et dans le DVX. Aussi. Ah oui, c'est vrai, on n'y pense pas. Avant, on le faisait. On a un DivX et il prend la poussière, on s'en sert jamais. On s'en sert pas. Et dans le PC, on peut les mettre aussi. Donc, bah ça, le David Guetta, je crois que c'est moi qui lui ai offert à Cécile. Pareil pour son anniversaire ou pour son Noël. La panoplie de David Guetta. Donc c'est vraiment. C'est des bonnes chansons dessus. Ouais, le design. Ouais, le design du de David Guetta. Derrière. Là, il y a deux CD. Là, il y a encore un CD. David Guetta. Un CD. Donc je regarde à l'intérieur. Et encore un autre son, alors c'est son CD normal. Et c'est pareil, le CD il n'est pas abîmé, il n'est pas rayé, nickel Ah, chrome. tu voulais mettre une devant. Encore de la musique indienne, dancing, 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 dancing. Dancing Spirit. Truc indien encore. Grand Canyon. Donc musique un peu style un peu aventure. Aventure avec le bruit les bruits des oiseaux, les bruits des ruisseaux, les bruits de les cascades d'eau. Ça s'appelle The Grand Canyon. Et c'est de Nisholi Guti. Donc c'est pareil, je les ai achetés. Donc il y a le 1 et le 2. J'ai acheté à la Maison du Monde. Non, c'est pas la Maison du Monde.
Je suis en train de raconter des conneries. C'est pas la maison du monde. La maison du monde, c'est tout ce qui est habitat. C'est comme le magasin là où il y a un peu de tout là. Je sais plus comment il s'appelle. Je dis la maison du monde, mais c'est pas ça. Oui, mais je vois que c'est bien personne que tu parles où ils vont décéder comme ça. Ça s'appelle la maison aussi. Ça s'appelle maison. Ouais, mais je sais plus. Et justement, il y est à. Bah, ils sont un peu dans tous les centres commerciaux. Hein. C'est un magasin vraiment spécial pour les trucs comme ça, pour les. Ils vendent même des jumelles, ils vendent des chapeaux style un peu Indiana Jones. Ils vendent des petits couteaux, des petits canifs. Ils vendent des tasses, ils vendent des tout ce qui est bougies, parfums, les oh merde, les trucs là, les senteurs. Ah, je sais plus le magasin, bordel. C'est la maison. Oh, je sais plus. Puis tout à l'heure, je suis en train de vous dire la maison du monde, mais c'est pas ça. Enfin, je crois. Ben non, parce que la maison du monde, c'est tout ce qui est Meubles. meubles et tout ça, donc c'est pas ça. Mais tu sais, dans ce magasin, il y a maison aussi dedans. Pas confondre avec Cultura, hein, c'est pas ça. Hein. Donc le deuxième, il est là. One, two. Ah, j'aimerais bien trouver un billet là, ça m'arrangerait là. Comme par hasard. Hop. Donc, la musique country. Très jolie, très bien. J'aime bien. Une belle musique. Une belle musique du western. Avec la guitare et tout, les petits violons, les banjos. Très belle musique country. Très belle musique aussi, je crois qu'il y en a beaucoup qui connaissent La Danse des Loups avec par John Barry, celui qui a fait la musique. Et comment il s'appelle celui qui a joué dans la Danse des Loups? Lui là. Ah, c'est Kevin Costner. Voilà, Kevin Costner. L'acteur Kevin Costner. Et qui a eu un c'est pas un Oscar, c'est un Golden. C'est marqué là, hein, César. Ah oui, les Oui, mais Césars. en Amérique, ils appellent pas Oui, c'est ça en Amérique, c'est Golden, je sais pas quoi là. Oscar. Si c'est un Oscar. Ouais, ou un Oscar, je sais pas. For Best Original Score. Voilà, pareil, Et un les très très Oscars, très c'est les bon film Césars. pour les personnes qui l'ont jamais vu. Très belle musique dessus, style un peu western. Comment t'arrives à avoir des trucs comme ça, toi? Ouais, c'est joli, j'aime bien. Celui-là, c'est. Voilà. Ça, c'est Bonnie Tyler, c'est le best-of. C'est meilleure musique de Bonnie Tyler. C'est belle musique ou non? Pareil, j'adore. J'adore Bonnie Tyler, j'adore, j'adore, j'adore cette femme. En plus, c'est une super belle femme. Bon, maintenant, là, qui a vieilli, bien sûr. Mais c'est super belle femme. Donc, la musique country, collection country. Là, vous voyez, hein, quand je vous dis que j'adore tout ce qui est western, indien, je vous ai pas menti. Hop. Toujours encore indien. Vous voyez, j'ai plus de musique indienne que autre chose. Regardez le design du CD. Il est très joli. Il est magnifique. Et à un moment donné, je voulais les jeter, je voulais les mettre à la poubelle parce que j'en avais marre. Pas marre de les écouter, mais voilà, vu que plus on passe d'années, plus on arrive de plus en plus au futur.
Et franchement, je voulais les jeter. Après, je me dis, si par contre, si je les jette, je risque de regretter. Donc, du coup, bah voilà, ça. Je les garde jusqu'à ma mort, quoi. Et puis après, bah, les enfants, les gamins, ils feront qu'est-ce qu'ils veulent avec, quoi. Soit ils les revendent ou j'en sais rien. Mais bon, ça se trouve, ça coûtera peut-être cher, peut-être, j'en sais rien. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu le style un peu Enya. C'est Adèle et Mauve. T'es Mauve, je sais pas. Ça, ouais, c'est la musique celte. C'est une musique celtique. Pareil, très jolie comme musique. Regardez le design du CD. Il est magnifique. Donc bien sûr, c'est la musique origine. C'est pas une musique qui a été copiée. C'est vraiment de la musique d'origine. Voilà, c'est vraiment des trucs celtiques, hein. Avec le diable, des trucs comme ça, le genre de couteau, je sais pas quoi. Je sais pas, non, c'est avec une statue. Encore une statue, s'il a plein cas. Voilà, moi je kiffe ça, j'adore ces trucs-là. Donc ça va avec ça. On a bientôt fini, hein. Donc un super film aussi, c'est avec Julia Roberts. C'est quoi? C'est No Best Friend. En français, c'est trois mariages et un enterrement. Ah, quatre mariages et un enterrement. C'est trois ou quatre mariages? Quatre. Ouais. Avec Hugh Grant, ça. Oui, Hugh Grant et Julia Roberts. Là, pareil, j'avais pris ça parce que j'avais regardé le film, j'avais kiffé. Pourtant, c'est pas mon genre de film, hein. Mais j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. J'ai bien aimé et la musique était super belle. Ils ont passé il y a pas longtemps à la télé. La musique était super belle, donc c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Voilà, il y a tout le truc le truc des films. Donc voilà, moi j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Des gendres. Donc encore une belle musique indienne que je kiffe. Que j'adore. C'est Légende. Pareil, j'adore cette musique-là. Je crois bien celui-là, c'est mon tout premier musique indien que je me suis payé. Donc ça, c'est un album que j'ai fait pour Cécile. J'avais gravé, c'est Shime. C'est bah, ses premières chansons jusqu'à ses avant-dernières, parce qu'après, par la suite, elle en a fait d'autres. Mais c'était vraiment ses toutes premières chansons. Donc pareil, c'est elle adorait, elle adore Shine. Ça, c'est toi qui me l'avais offert. Hein. Peut-être, je sais Si, il y a ton écriture dessus, pas. femme. Où ça? Ben alors. Ah si, c'est bien ton écriture, ça. Mais si, c'est ton écriture. Ah non, Christelle. Oh, c'est mon ex. Quoi? Ah Quelle horreur! Quelle horreur! merde, Quoi? c'est Oh mon ex. l'insulte! Oh merde. Oh l'insulte! Bon, on s'en fout, c'est Mon musique indienne. Dieu! C'est musique indienne, voilà, vous le connaissez, Du c'est coup, je vais Spirit. l'aborder. Toulouse.
Mais j'étais persuadé, c'était toi. Ah bah non, c'est signé en plus. Bah tant pis, hein. Ah, c'est pas parce que c'est mon aise que je vais le jeter, hein, le truc bordel. C'est de la musique indienne, donc... Je ne jette point. Donc encore une belle musique indienne, très très douce, très très jolie. Même le design derrière avec la flûte, il est super beau. Et ben je trouverai pas de billets, hein. Il n'y a pas de billets, hein. Mince alors. Et la musique italiano, superstar, avec Albano, Romina Power, Gazebo, Richie Veren, Toto Cotugno. Il y a Cidinoi, Felicita, Magic, Oh Magic, Ciao Italy, Ciao Amor, Donna Donna Mia, Thierry Cordy, Saranza, Zenanamor, Alex Chopin, Donna, Madan Italy, Téléphone Mama, Solomoy, non, Solo, Solonouille, Solo, voilà, c'est, non, je sais plus, c'est Solonouille ou Solo, Solonouille, Solonouille. Solo nous, que no sera, tira tira tita 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 tata. Solo tout. Bah je sais pas, il marque solo noyo. Oh. C'est l'eau de vos solo at, c'est pipo. Solo tout. Mama Maria. Et tout sultan, tout sultan. Tout seul, tout. Donc c'est ça, ta musique italiano. Si, musique italienne. Donc c'est pareil, j'aime bien. Pourquoi j'aime bien la musique italienne? Bah, tout simplement, c'est pas parce que j'ai de la famille italienne, hein, au contraire. J'ai pas du tout de famille italienne. C'est du fait d'avoir travaillé à la pizzeria, qui est pas très loin de là où on est, que j'ai travaillé plus de 35 ans dedans. Voilà, c'est une pizzeria Umberto que j'ai fait mes débuts là-bas. Parce que je vous ai dit, hein, que j'ai commencé comme plongeur, étalagiste, glacier, pizzaiolo, commis de cuisine. Commis de bar, commis de salle, voilà, je suis monté en... Chaque année, je montais en flèche. Et je suis resté plus de 35 ans dans la même pizzeria. Et après, le patron, il a vendu tout ça, donc après, voilà, quoi. Mais c'était bien, c'était la bonne époque, j'étais jeune. J'étais jeune et beau, j'avais des cheveux, j'avais des dents, j'étais musclé, parce qu'à cette époque-là, je faisais de la muscu. Et là, je suis sans dents, je suis moche, je suis vieux, je suis gros, mais j'ai toujours un beau kiki, voilà. Ça, le kiki, il change pas, le kiki de tous les kikis. Donc là, Café Indiana, c'est pareil, une belle musique indienne. Je crois que celle-là, on me l'avait donnée. Eh ben non, hein, je vais pas trouver de billets dedans. Donc le premier Enigma, c'est celui-là. Voilà, ça c'est leur premier album de Enigma. Enigma. Voilà, super musique. Je peux même l'écouter en boucle, j'adore. J'adore cette musique.
Donc Enigma. Ah oui, j'avais acheté les trois albums, voilà, c'est ça. J'ai les... Enfin, quand j'ai les trois albums de Enigma. Pareil, Guardian Spirit, c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait des années que je l'ai aussi, c'est pareil. Je l'ai acheté au magasin, maison, je sais pas quoi, là. Ah. J'ai un... Il n'y a même pas la niade, non. Ça date de loin, hein. Il n'y a même pas l'année. Non, je vous aurais bien dit l'année que je les ai achetés, mais il n'y a pas l'année. Donc la musique country, mais Disney. Euro Disney. Le Best of Country Swing de Best of Disney. C'est pareil, je l'ai pris parce que c'était, bah, je l'avais acheté à... Je l'avais acheté à Walt Disney. Mais c'est pareil, celui-là, ça date de loin. Hein. Je crois que c'était à l'époque de ma première copine. Celle de 42 ans. 42 ans, j'en avais 25. Mais ça n'a pas empêché qu'on est resté 4 ans et demi ensemble, quoi. C'est elle qui m'a fait connaître la joie de la nature. Les fruits défendus, tout ça et tout. Bah, très belle musique, hein, de country. Belle musique aussi de Vangelis. Je ne sais pas si vous connaissez la musique de Vangelis. Pareil, un très bon... très bon musicien de cette musique-là. Donc, Vangelis, hein, il en a fait beaucoup. Il a fait beaucoup d'albums. Il a fait celui que j'ai là, Christophe Colomb, avec Depardieu. Il a fait Antarctica aussi. Très belle musique d'Antarctica. Donc, Vangelis, c'est lui. C'est ce personnage, Vangelis. Et franchement, vous voyez mieux là. Voilà, Vangelis, c'est lui. Et un très bon musicien, franchement. Il y a des musiques, quand j'avais pas trop le moral, ça, c'est une musique assez émouvante. Bah, j'avais toujours les larmes aux yeux parce que c'était trop fort comme musique. Mais j'adore. Donc le groupe ABBA, ça c'est mon premier album que je me suis acheté. Et c'est mon premier groupe top numéro 1, le groupe ABBA. Ceux-là, je les kiffe. Ceux-là, je peux les écouter 50 000 fois, ça, je ne serai jamais fatigué avec leur musique. Et même sur mon téléphone, j'ai au moins une dizaine de chansons d'eux. C'est vraiment top numéro 1 des meilleures chansons, enfin des meilleurs groupes, c'est ABBA. C'est pour ça que je vous dis Ice of the Base, c'est le deuxième. C'est un peu comme style un peu ABBA, mais avec des chansons différentes. Mais c'est à peu près le même style, quoi. Par contre, quoi, eux, ils n'étaient pas frères et sœurs, ils étaient mariés. Hein. Les deux couples, ils étaient mariés. Mais quand tu les vois maintenant, oh là là, le coup de vieux qu'ils ont. Donc, Era de Mas, c'est pareil, une très belle musique celtique que j'adore. J'adore Era. Je l'écoute assez souvent. Quand je l'écoute, j'ai la tête ailleurs, je suis très très loin. J'adore Era. Donc on va les mettre avec ceux-là. Un que j'aime bien aussi, que j'ai découvert grâce au
au top 50 et tout ça de notre époque. C'est San Kingston. Mais je crois qu'il a fait qu'un seul. Il n'a fait qu'une seule, qu'un seul CD, je crois. Gono Son Chantry. Beautiful Girls. Je crois que c'est la chanson Beautiful Girls qui m'a. Que j'ai bien aimé. Les autres sont pas mal. Donc, je sais pas si vous connaissez. Voilà. Attends, la chanson, c'est. Na 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 na. J'adore. Et ta sœur va pleuvoir. Et comme je vous ai dit, hein, j'étais un fada de. Et une époque, j'étais un fada de. Accordéon de Yves Corner. Pareil, hein, super, super musique. Le grand accordéonoïste aussi, aimable. Super, super musique d'accordéon aussi. C'est deux grands artistes d'accordéon. Hein. Aimable, Yves Corner, et puis il y en a un autre aussi, mais je ne m'en rappelle plus. Donc vous l'avez tous reconnu, Michael Jackson. C'est le, bah c'était le 25e anniversaire de Michael Jackson. Il y a bah, plusieurs chansons, il y a Thriller, il y a plein de trucs dedans. C'est un best-of. Pareil, super. Les photos super géniales. Par contre, j'ai pas le CD. J'ai le boîtier, mais j'ai pas le CD. Ouais, c'est génial. C'est cool ça. C'est super génial. Bon, je sais pas où est-ce qu'il est. Faudrait que je recherche dans les autres CD. Pourtant, j'ai fait le tri et j'ai rien vu. Attention, si j'ai pas le CD, ça sert à rien que je garde. Ça sert strictement à rien. Lui, je sais pas qui c'est, lui. Je crois que c'est à Cécile, celui-là. Jones Groban. Hein? Celui-là, là. Okay. Ah, pourtant, ça fait longtemps qu'on l'a. Bah, Cécile a dit que ça lui dit rien. Peut-être un CD qu'on nous a donné, je sais pas. Il faudra qu'on réécoute un C4. En tout cas, voilà, je vais pas le jeter, on va le garder quand même. Ou peut-être un CD qu'on nous a donné, je sais pas. Donc, une autre genre de musique de Planet Dream. Avec de la belle musique, t'as même des musiques de films. Franchement génial. Franchement génial. Super, super musique, j'aime bien. Musique un peu style un peu je dirais un peu c'est Solima. C'est le chant des hommes. C'est une musique un peu style un peu dans le désert, dans le Sahara, avec des styles un peu les Touaregs, des trucs comme ça. Et franchement, super musique aussi. J'ai bien kiffé. C'est pareil, allez.
tous les extraits de films sont, tous les extraits de musique qui sont vraiment vraiment géniaux. J'aime beaucoup. Et les musiques de Lou, voilà, Wolf, voilà. Plein de musiques de Lou avec le chant des loups, avec la musique, le cri des loups, le hurlement. Ça c'est pareil, je kiffe. Encore un autre avec des loups, Wolf. Pareil, avec une belle musique de fond, avec le cri des loups. Donc ben voilà. Voilà mon genre de musique que j'aime. Vous voyez, hein, il n'y a pas de musique d'hard rock, il n'y a pas de musique de rock, il n'y a pas de musique de je sais pas quoi là c'est vraiment mon tout ce que je vous ai montré, c'est vraiment mon style de musique. Donc bien sûr avec les musiques des années 70, 80, 90 bien sûr, hein, qui vous êtes ancien, c'est votre époque et c'est mon époque à moi aussi. Mais sinon après après les années 90, bah c'est ce genre de musique là que j'écoute. Donc bah voilà, donc on a fait le tour mes amis. Bah du coup bah, j'ai pas trouvé de billets, hein. Tant pis, j'aurais bien voulu trouver un petit billet. Bah non, malheureusement il n'y en a pas. Donc bien sûr je vais les ranger correctement pour après. C'est les deux autres sites que j'avais déjà fait. Je voulais tout bien vérifier pour voir justement s'il n'y avait pas un petit billet. Ah, des fois on a des cachettes bizarres, vous voyez, hein. Moi c'était dans les CD. J'ai caché mes billets dans les CD. Wally Walou. Voilà. Hop. Donc le boîtier de Michael Jackson, je vais quand même le garder. Si ça se trouve, peut-être un C4, je vais peut-être retrouver le CD, ça se trouve, je sais pas. On sait jamais. Bah d'ailleurs comme il n'y a pas les autres ceux-là, comme j'ai pas le boîtier, donc on va les mettre dedans. Et il y a le CD de Bonnie Tyler et de Karen Anthony, je sais plus comment ça s'appelle. Karen. Bah celle qui a chanté Si demain. C'est ça, je sais pas, peut-être vous allez peut-être voilà, c'est le titre, c'est Si demain, voilà. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Donc bah voilà c'est terminé. Donc je vais remettre ma chaîne là, d'ailleurs après j'irai la ranger à part. J'irai la ranger dans mon placard là-bas. Bon voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein, comme je le dis, hein, c'était un petit vlog Zazou. Hein. Voilà, comme ça j'en ai profité pour ranger et ranger puis vérifier bah, s'il y avait un petit
un petit bifton dans mes CD. C'est bon, il n'y a pas. Il n'y en a pas, tant pis. Donc si vous aimez cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, faire la petite cloche et de vous abonner. Je vous dis à un prochain vlog. Je vous dis au revoir, je vous dis bye bye, je vous dis ciao et je vous dis chinabo.